Parfois, ce qui marche le plus au cinéma, c'est tout simplement de parler de la vie, et de parler de celle-ci dans sa plus grande simplicité, c'est-à-dire parfois, et même souvent, remplie d'embûches. Le réalisateur dont nous allons parler aujourd'hui parle de la vie comme personne, et aborde celle-ci avec une justesse et une évidence confondantes de perfection et d'humanisme. Jude Apatow est un réalisateur d'origine américaine qui officie dans la production audiovisuelle depuis maintenant près de 23 ans. Originaire de la télévision, où il a notamment fait du stand-up, il parviendra à révéler auprès du grand public de nombreuses stars comiques modernes, avant de devenir un des auteurs comiques les plus incontournables de sa génération, en même temps qu'un poète du quotidien et de la comédie humaine. Le cinéma d'Apatow est particulier, et il ne marche pas en France, cela il faut malheureusement le reconnaître. Mais cela ne veut pas pour autant dire que son style ne marche pas. Humain est le mot qui définit le mieux ce style, que l'on peut considérer comme poétique et lyrique, en même temps que comique et sincère dans sa démarche émotionnelle, et cinématographique. C'est ainsi que l'on retient Apatow à la sortie de ses films, tant son style et sa manière d'aborder la comédie sont uniques et représentatifs d'un homme qui ne veut pas forcément nous faire mourir de rire. Ce qu'Apatow cherche avant tout, c'est à nous toucher, pour ensuite nous faire rire, mais jamais contre ses personnages ou ses situations, mais toujours avec eux, comme un grand chant à l'unisson sur la vie et ses petits défauts quotidiens si attachants. La vie devenant ainsi le centre de la filmographie d'un auteur, qui veut nous montrer que celle-ci est faite de haut et de bas, mais qu'il y a toujours et uniquement une pente à grimper. Jamais la vie de ces personnages n'est fataliste. Elle est toujours montrée de manière optimiste et ouverte sur l'avenir, et c'est à l'image du cinéma moderne qu'Apatow construit ses films, ouvert d'esprit. La douceur absorbant totalement l'amertume d'un regard cru sur le monde, Apatow laisse alors ses personnages comprendre leur avenir et le récit qui s'apprête à leur arriver, donnant une perspective touchante et profonde à ses films. On se sent alors totalement emballé par le récit, et on a seulement envie de mieux comprendre ces personnages, afin de pouvoir mieux cerner leur vie, et peut-être, à la fin, pouvoir regarder avec plus de légèreté la nôtre. Apatow prend alors l'homme pour ce qu'il est, un être totalement et magnifiquement imparfait, qui manque de recul sur lui-même, mais qui dans les épreuves peut réussir à se dépasser. Que ce soit face à l'appréhension de l'âge adulte, face à un enfant, à une maladie ou à une crise de la quarantaine, ces personnages deviennent alors des héros du quotidien magnifiés et sublimés. Devenant ainsi le lecteur d'une vie représentant la sienne et celle des spectateurs qui regardent son œuvre, Apatow donne alors à son cinéma une universalité passionnante et jubilatoire. La vie devenant ainsi un chemin auquel on a envie de prendre part, Apatow fait saisir cette pureté cinématographique qui touche au sublime, ce cinéma qui brouille les barrières entre réalité et fiction, et devient simplement le témoignage de la vie, le temps d'un instant qui touche et qui émeut. Plonger dans un film d'Apatow, c'est regarder la vie. C'est regarder celle-ci prendre racine et s'épanouir dans un monde si proche du nôtre que l'on se sent tout de suite touché par celui-ci. Plus on avance dans la filmographie d'Apatow, plus on a envie de construire sa vie, de comprendre ses choix, et surtout de s'assumer en tant qu'être imparfait pour regarder le monde avec autant de douceur que cet auteur.